Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa. Yes, sir! Yes, sir! Pour un autre unboxing, celui de la Collector's Corp. Yes! Sous le thème de First Appearance Avengers. Exactement! Oh yeah! Oh, qu'est-ce que tu dis, Sancho? Est-ce que tu sais à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre de la box? Oui, je pense que on doit s'attendre aux Avengers, tels qu'on connaît dans le MCU, mais leur première apparition, mais dans les comics. On peut déjà apercevoir Thor sur le dessus. Je ne sais pas s'il est dans la box, mais s'il y a des Avengers que je voudrais voir dans cette boîte, on parle d'Iron Man, Black Panther, Vision. Donc, ne perdons plus de temps. On commence avec l'unboxing de la Collector's Corp du mois de où? Sous le thème First Appearance Avengers. Donc déjà, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer le pins et le patch. Voilà le patch et le pins qui s'étaient fait la malle. Le pins, c'est Nick Fury. Et à ma grande surprise, il a la peau blanche. Mais on doit se rappeler que à sa première apparition, c'était toujours un homme de race blanche. Donc pas de souci de ce côté-là. Mais je m'attendais vraiment à avoir peut-être sa première apparence en peau noire. Et Captain America, bien sûr. Voilà, donc une position très comique. Donc on continue avec le contenu de la box. Voilà, il doit avoir un t-shirt. Donc on va commencer avec le t-shirt. Oh, Hulk, bien sûr. Voilà, l'incroyable Hulk. Génial. On dirait vraiment la couverture d'un comic. Peut-être que ça l'est. L'incroyable Hulk, l'homme le plus étrange de tous les temps. Fantasy, comme vous l'aimez. Est-il un homme ou un monstre? Ou est-il les deux? J'aime bien ça. Donc continuons. On dirait qu'il y a deux pops, mais il ne semble pas avoir de l'espace pour rien d'autre. Procédons. Premier pas. Oh yeah! Iron Man, Tale of Suspense numéro 39. C'est l'un de ses premiers suits. Même que ça rappelle son suit dans le premier film, le tout premier suit qu'il avait fait dans la cave où il était devenu prisonnier. Oui, 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 c'est une pop que je garde, ça c'est certain. Et deuxième pop. Oh! Vision, là je suis servi. Avengers numéro 57. Génial, j'adore. Ben, j'aime bien. Vraiment, ma pop préférée là-dessus, c'est Iron Man. Mais Vision est pas mal du tout. Oui, très très belle. Il n'y a rien d'autre. Donc, malgré deux belles pops, c'est une boîte qui me laisse sur ma faim. Je voulais au moins un comic. C'est très dommage qu'il n'y en ait pas eu. Voyons, c'est du Marvel. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une boîte qui vous a plu? Dites-nous-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Quel est l'objet que vous préférez le plus? Et ben, avec cet unboxing-ci, nous ouvrirons les inscriptions pour la Romero Box, magie, sorcellerie et voodoo. On va donner 5 jours pour vous inscrire. Tout ce que vous avez à faire, choisissez votre Avenger préféré et postez une photo de lui comme il apparaissait dans les comics sur le poste approprié sous l'événement Romero Box Magie, Sorcellerie et Voodoo dans le groupe Romero Box sur Facebook. Donc il y aura un petit post officiel vous disant de poster vos photos en tant que commentaire sur ce post. Je veux voir vos photos et dites-moi, je m'inscris à la Romero Box. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un petit pouce bleu, partagez, ça va m'aider grandement. Et ben, encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.